Salut les gars, j'espère que ça va bien. Vlog numéro 31. Aujourd'hui, on est vendredi 21 octobre et c'est le mariage de Lucie et Pierre-Jean. Alors, le gros avantage, donc là, je suis au domaine de la Butronne dans le 78 et en fait, il y a déjà tout le matériel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous montrer ça juste après. J'ai installé mon Maui Sango dans la verrière. Il y a mon pote saxo Pierre qui est en train de jouer. La bande photo. Et puis là, du coup, on est en train de voir avec le régisseur dans la grande salle pour le son, les lights, etc. Donc là, on a installé les deux caissons, les deux têtes. Moi, j'ai juste ramené ma régie DJ, mes micros. Et puis, donc mariage de 80 personnes. Alors la salle est immense, hein, vous allez voir. C'est un peu dommage, je trouve, parce que c'est vraiment très grand. Et plus c'est grand, plus c'est compliqué de faire venir les gens et de créer une espèce de petit cocon d'ambiance. Donc ça, on verra tout simplement ce soir. Pour les lights, du coup, il y a des lights au plafond. Donc je crois il doit y avoir peut-être 8 beams et 4 wash, un truc comme ça. Donc là, on est en train d'installer le sunlight. Comme ça, on va tout tester et puis on sera bon. Donc je vais vous montrer la salle. Là, c'est Mathieu, le régisseur du domaine. Voilà la scène pour ce soir. Au niveau du son, on est grave bien. C'est du C2R passif avec du SR technologie. Je connaissais pas. C2R, je connaissais, mais c'est SR technologie. Je connaissais pas, mais ça envoie bien. Ça, c'est du 12 et ça, c'est du 15. Et on a ça, du coup, de chaque côté. Et puis ensuite, tout est plugué. Donc les caissons, ils sont en passif. Les têtes, elles sont en active. Et ensuite, ils ont un petit rack d'ampli là, qui est bien équipé. Avec tout ce qu'il faut, un petit dispatch, des micros, l'ampli Krone pour les subs. Et puis il y a une petite tablette pour pouvoir régler, qui fait office de table de mixage. Donc là, on est au top. Là, moi, je vais avoir ma régie, donc XIGRX 3, le PC pour le son, le PC pour les lights avec le petit boîtier Sunlight. Il est en train de le brancher et puis ce sera bon. Et au niveau des lights, on a du coup, vous voyez, les lires là, là, ici et ici. Donc, on devrait être large. Et il y a exactement, je vous disais, du coup, 2, 4, 6, 8 beams et 4 wash. Donc, je pense que ça va envoyer. Ça devrait aller niveau light. Et puis, comme je vous disais, la salle, elle est immense. Hein, donc, d'ailleurs, il y a encore des rails avec du matos light. Il y a des petites enceintes pour le son en rappel. Et donc là, les weddings sont en train de finaliser, les plans de table, la déco, etc. Partie repas, partie piste de danse. Mais vous voyez, la salle, elle peut... c'est une salle immense, hein. Je ne sais pas combien elle fait, elle doit faire pas loin de 500 mètres carrés. Et puis du coup, ici, ce sera la piste de danse, donc c'est vraiment énorme pour 80 personnes. Donc, on verra le résultat ce soir. Et puis du coup, je voulais faire un petit coucou à Sébastien. Si tu regardes la vidéo, merci pour l'accueil, c'est lui qui est le régisseur général ici. Et du coup, je l'ai tout simplement appelé, on a discuté un petit peu de ce qu'il y avait, etc. Et puis du coup, ça me permet de pouvoir arriver dans ce genre de salle plutôt tranquillement. Par rapport, du coup, vous allez sûrement vous poser la question, mais par rapport aux salles qui sont déjà équipées, plus j'évite les salles équipées, mieux c'est.
parce que souvent les salles, ça va être des domaines pour des mariages, etc. Et en fait, l'installation, elle est faite par des gens qui s'y connaissent pas trop. Du coup, généralement, soit c'était fait par les propriétaires de salles ou par des potes. Alors, des fois, c'est bien fait, hein. Quand c'est bien fait, je le souligne. Par contre, souvent, c'est du matériel de pas très bonne qualité. S'ils mettent de l'éclairage, ça va être des éclairages un peu pouet-pouet. Donc, j'évite au maximum. Et là, j'étais déjà venu ici il y a peut-être 5-6 ans. Et je sais que le matos est de super bonne qualité. Donc là, j'ai vraiment aucun souci à me faire. Et en plus, il y a le régisseur qui est là pour gérer l'ensemble. Donc voilà mon point de vue par rapport aux salles qui sont déjà équipées. Si les salles sont déjà équipées, bah, l'idée c'est déjà de vous renseigner, appeler le propriétaire ou le régisseur ou le gars qui a installé le matos et puis demander quelle marque c'est, etc. Et même si la salle est équipée, je viens quand même avec mon système son et avec un peu d'éclairage de secours. Parce que si la veille il y a eu un mariage et qu'il y a un DJ qui a tabassé les enceintes, qui a explosé les enceintes, bah, entre le vendredi et le samedi, il n'y a pas de solution de secours. Donc voilà moi comment je fais pour être sûr à 100% de pouvoir gérer tout simplement la prestation, quoi. Voilà l'idée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le cocktail qui est en cours. Là, il est 18h30. Le cocktail est en cours. Il y a mon saxo qui est en train de jouer. Enfin, mon saxo. Pierre Mood Sax, le saxo que j'ai engagé du coup pour la prestation. Puis je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors, juste avant que je vous montre le cocktail, j'ai deux petites choses à vous montrer. Donc ça, c'est le déroulé qui a été fait par la wedding planner. Alors on voit pas forcément bien, mais du coup 19h, il va y avoir le lancer de bouquet. 19h15, découverte de la salle par les mariés. 19h30, entrée des invités dans la salle. À 45, entrée des mariés dans la salle. 20h, amuse-bouche. Ensuite le plat. Il y aura une petite surprise, jeu des points communs. Ensuite le service du fromage. Surprise, discours oncle Allison Emeline. 22h30, on fera le dessert. Une fois qu'on a fait le dessert, une petite surprise et un petit flash mob. Et ensuite, 23h, première danse. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on est en fin d'année. Le soleil se couche plus tôt. Du coup, les invités rentrent plus tôt dans la salle et du coup, on danse plus tôt. J'ai dit 4 fois plus tôt et du coup aussi. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on danse donc plus tôt. Et donc forcément, les invités ont plus d'énergie pour la piste de danse. Et l'autre petite chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai investi dans une petite brosse. J'ai investi dans une petite brosse. C'est pour mettre du fard à paupières pour les nanas. Et en fait, je l'ai acheté pourquoi? Parce que j'ai souvent de la poussière sur le XDGRX. Même avec le flycase, et donc du coup, avec ma petite pince, je peux nettoyer mon truc. Ça marche hyper bien, je vous le recommande vivement. Ok, donc les gars, ça c'est la verrière, c'est le cocktail. Je vais vous montrer, je vais pas parler trop fort pour pas embêter les gens. Ça c'est la viande pour vos serins. La bande photo, personnalisation. Ça, c'est la derrière.
Bon les gars, tout va bien, on vient de finir le cocktail. On vient de finir le cocktail. Pierre du coup a bien ambiancé les invités, donc ça fait plaisir, il commence à bien être chaud. Et puis là on va faire l'entrée des mariés avec I Got a Feeling, puis Pépas. Et donc Pierre arrivera sur le Pépas. Voilà un peu l'idée. Ok mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire une ovation à nos mariés ce soir, Lucie et Pierre-Jean. Mesdames et messieurs, on va faire une ovation à nos mariés ce soir, Lucie et Pierre-Jean. Bon bah voilà les gars, vous venez de voir l'entrée des mariés, ça s'est super bien passé. Honnêtement, quand je les ai vus au cocktail, je me suis dit ouais, ça va être un peu compliqué pour les ambiancer, mais en fait ils étaient sur chaud, donc ça fait plaisir. Et puis le saxo Pierre, bah, l'avantage c'est que lui il fait beaucoup de groupes live avec vraiment des grosses configurations, énormément de personnes, et donc il a vraiment l'habitude de ce genre de truc. Moi ça fait déjà peut-être une dizaine de fois que je mixe avec des saxos, mais c'est pas mon quotidien, donc là l'avantage c'est qu'il y a l'expérience de Pierre. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a un moment il m'a dit attends, avant de faire l'annonce je mets un petit écho. Il a fait un petit truc en mode juste instrumental, un petit Bella Ciao pour vraiment finaliser l'entrée des mariés. Et derrière moi je dis merci de faire une ovation, et ensuite on demande aux invités d'aller se mettre à table. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais aller déplacer la bande photo à l'intérieur. Regardez, là il y a un petit Better Together, là il y a un petit néon. Je vais mettre la borne là et puis ensuite on va se poser pour aller manger. Voilà. Watching you.
Yeah.